on va voir les bases de la vidéo avec le Movie Maker et on va faire en sorte que cette vidéo qu'on va créer, on puisse la mettre sur YouTube. Je vais récupérer une vidéo. Voilà. Je vais récupérer celle-là. J'ai ma vidéo qui est avancée et ma vidéo est représentée par une bande comme si c'était une pellicule. Si je clique ici, on voit au fur et à mesure la vidéo qui avance. Ici. Et ici. Ok. La vidéo elle marche. Soit je l'avance, soit je peux me déplacer comme ça. Je peux me déplacer là où j'ai envie d'aller. En fait, je peux me déplacer comme ça. Cool. Voilà. Comme ça. Et ça déplace ici. On va supposer que j'ai une partie un petit peu longue et que je vais supprimer, raccourcir une partie un petit peu longuette. Pour cela, je vais cliquer sur édition. Une fois que je clique sur édition, je vais positionner à l'endroit du film que je veux supprimer. Par exemple ici. Je vais cliquer sur fractionner. Je continue mon film. Hop. Et je vais virer cette partie-là parce qu'elle sert à rien, on se regarde pendant des heures. Je clique sur fractionner. Ok. Donc j'ai cette partie du film qui ne m'intéresse pas, donc je la sélectionne et je clique sur la touche supprimer. Donc ça fait qu'en fait, ça commence là, la partie que j'ai supprimée a disparu et je me retrouve ici. Donc encore une fois, si je me positionne ici et que je virais là, on va supposer que je vais virer cette partie. Dans cette partie là, je clique sur fractionner, continue, hop, et là je clique sur fractionner, cette partie là je peux la supprimer une fois que j'ai cliqué dessus. Ok, mais on va imaginer que c'est deux thèmes différents, là on a creusé, là on a déterré, où il y a un reportage. Donc si c'est bien dans une vidéo, quand on met sur YouTube, c'est de mettre un titre. Je vais sur accueil, et là, je vais cliquer titre, ajouter un titre. Il m'a créé un espace blanc, enfin noir plutôt, et si je clique comme ça, vous voyez, ça apparaît mon titre. Et je trouve que l'introduction est un peu longue. Donc en fait, la durée du texte en haut, elle est de 7 secondes. C'est un peu long, puisqu'on est sur YouTube, et je vais mettre 5 secondes. Paf, ça m'a raccourci. Donc en fait, moi je reviens ici. Voilà, 5 secondes. Bien. Et pour moi. 5. Donc ça m'a raccourci la longueur. On recommence. Là, j'ai 5 secondes. Évidemment, je peux changer le titre. Recherche archéologique. Je fais n'importe quoi. Je fais ça. Et si on veut, hein, de toute façon, je recommence mon film. Je me mets à zéro. Le film commence. Et on commence. Très bien. Je trouve que c'est trop long. Je fais un double clic et je vais mettre 3 secondes. Ah, là, c'est bien réduit. On y va. Tac. Entre le titre et le film, ça commence de façon brutale, il me semble. Je vais donc créer une petite animation de transition. Voilà, exactement. Donc en fait, je vais mettre celle-là, peu importe
Ce que tu mets, tu choisis. Okay, c'est censé donner ça. Paf, c'est le début. Oui. On arrive ici, on a fait une coupure tout à l'heure. Donc en fait, on va mettre évidemment ici encore une fois une autre transition. La même normalement pour éviter d'être un petit peu trop exotique. On arrive ici, on a une autre coupure. On attend, il faudrait que je le coupe au montage. Voilà. Et ici, je remets encore une. Je ne sais plus laquelle j'ai pris, celle-là. Ici, travail. Une transition. Bien. Si on regarde depuis le début, c'est quand même plus sympa. Recherche archéologique. Tac. Voilà. Donc à la fin, ça peut être sympa de mettre, d'insérer à l'intérieur un générique. Un générique de fin. Je mets n'importe quoi. Allez, on enlève les yeux. Mais du coup, on peut être compris. On arrive comme ça. Alors, on peut mettre aussi des légendes. Si vous voulez, et là je veux insérer une légende. Et là, bah, je vais taper quoi? Voilà, légende, tranché de sondage. On continue. Éventuellement, on peut mettre une narration. Une position où ça commence. Ici. Enregistrer une narration et j'y vais. Go! Cette vidéo représente des personnes passionnées qui font des recherches dans une tranchée de sondage dans la région du Nord et là vous allez pouvoir une jeune fille qui a trouvé un coquillage. Merci beaucoup et à très bientôt. Allez, pourquoi hein? Cette vidéo représente. Voilà. Bon, cette vidéo représente. Des recherches dans une tranchée de sauvage dans la région du Nord. Et là, vous allez pouvoir nous expliquer à trouver un coquillage. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, donc vous venez de voir comment mettre un titre, mettre des transitions, rajouter une narration, mettre un générique de fin. Une fois que c'est fait, il faut cliquer sur enregistrer le film. On fait en sorte qu'il y ait la plus grande au départ définition dans le format de l'enregistrement. Moi je vais rajouter le maximum, quoi, haute définition. Voilà, mon film pour MP4.
enregistré et il est en train de le fabriquer. Et c'est ça que je vais donner à YouTube.